Alors, mes amis, je vous présente une Congolaise qui travaille dans une lycée. Dans un lycée, le pays. Dans un lycée. Excusez-moi parce que j'ai fait des fautes d'orthographe. Mais je t'en prie, Je suis c'est pas pas né en France. Je suis pas né en France, moi. grave. Alors, bonjour madame, ça va? Oui, ça va, le pays. Quand je dis à certains Congolais qu'il y a des Congolaises intellectuelles en France, il y en a qui doutent. Voilà une qui travaille dans un lycée. Hein? Voilà. Dans un lycée, voilà. Dans un bureau. À Ah, Champigny. le P. Tu dis quoi au P brésilien? Bah écoute, le P, t'es passé dans Champigny, tu m'as passé un coup de fil, tu as un frère. Bah j'étais invitée, vu que j'étais pas à la maison, j'étais invitée prendre Un un petit café. café, donc bah, voilà. Ok. Mais je vais te demander comment tu as fait pour trouver du travail dans ce lycée, dans un bureau comme ça? Bah j'avais passé un concours. Quel concours? Un concours dans l'éducation nationale, ministère de l'éducation nationale. Faut avoir le bac. Oui. Toi, t'as le bac. Oui. T'as pas la licence. La licence. Le tu poses trop des questions là. Ah ouais. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu travailles dans ce bureau-là? Ça fait des années. Des années? T'es une Congolaise, toi? Je suis une Congolaise. Lari. Je suis une Larimène, Larindjena. Donc voilà. Donc, où c'est ça, là, gars? Oui. Dans un... tu gères les élèves. Oui, je gère les élèves. Et quoi encore? C'est quoi ton travail? Ça consiste sur quoi ton travail? Mon travail à moi, le P, c'est un peu. En fait, bon, je suis là. Je gère pas mal de choses. Enfin, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Si je commence à te lister tout ce que je fais, je gère pas mal de choses. Voilà. Ce qui m'a beaucoup flatté dans ton travail, c'est que tu as un logement gratuit. Tu ne payes pas l'électricité, tu ne payes pas le logement. Le P. Ça, c'est vraiment très important. Le Pendant ce temps, les gens P. cassent les têtes pour payer les maisons chaque la fin du mois. Toi, tu as un logement gratuit. Non, J'ai vu un pavillon en plus. le P, c'est un logement de fonction, mais bon, voilà, mais ça rime avec le travail, hein. C'est pas aussi gratuit que ça, ça va avec mon travail. Mais ils ne te prélèvent pas l'argent. Le P. La fin du mois, tu ne payes rien. En fait, même dans ton salaire, il n'y a rien qui bouge. Toi, tu fais que les courses pour manger, Le mais tu ne petit payes pas le P, là. logement, tu ne payes pas le gaz. Je sais pas la gaz. On dit quoi, le gaz? Le gaz. Le gaz. Tu ne payes pas le gaz. Le P. Mais je te demande. J'ai un logement de fonction, mais tu n'avais même pas besoin de dire ça. Ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas la seule ou la première à avoir un logement de fonction. Comme des Donc, gendarmes, comme des policiers. voilà, on peut dire ça. Donc en fait, ce travail de toi, c'est pour l'État. C'est un travail d'État. Je suis fonctionnaire, oui. Donc tu fais partie de l'État, de la France. Ah bon? Tu es une Française. D'origine congolaise. Mais... Putain. C'est difficile, hein? Bah Voilà, vas-y. le P. On se voit souvent dans les fêtes, mais hormis cela, nous sommes des mères de famille. Hein. Personnellement, je suis mère de famille, femme responsable. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, ne jugez pas trop vite les gens. Dans les fêtes, souvent, ouais. Oui, souvent dans Les les gens fêtes. viennent dans les fêtes pour se Pour défouler. se défouler, dans les fêtes, on est là pour se On ne défouler, se mais connaît en pas. vrai, on est des mères responsables et des pères responsables, ce qui est mon cas. Voilà. Félicitations. Clarisse Banac. Est-ce que tu peux trouver du travail à ma femme? Comme Elle cherche. elle est gentille, mais faut l'emmener, hein. Je vais lui montrer un peu comment ça se Mais passe. elle n'a pas le bac. Elle n'a pas le bac. Ben, elle peut faire des formations. On fait des formations pour adultes aussi. Ah, d'accord. Mon lycée, on fait aussi Greta. Il y a pas mal d'adultes qui viennent passer, faire des stages chez nous. Des formations, je veux dire. Donc voilà. Le P, c'est terrible, hein, le P Mayala. Non, J'étais franchement. invitée à prendre un café jusqu'à temps que tu as pris des images. Attention, hein. Ouais. Hein, le P, hein, je peux porter Non, plein d'endroits. Allez là où c'était tu pour veux. prouver mon passage. On dit mon Ouais. passage, hein, Ouais. à Champigny, en fait. Ça fait Bon, plaisir voilà. de prouver aux gens qu'il y a des Congolaises qui travaillent dans les bureaux. Donc voilà, je Voilà. suis là. Ok. Bon, je vais te laisser travailler. D'accord, merci. Excusez-moi. Oui, Si bonjour. vous avez pris le téléphone en charge, qu'on puisse passer un Oh, appel ça va après. vous coûter cher. Vous avez fini avec les travaux De l'autre côté, de l'autre côté? normalement, on ne sait pas là pour D'accord. le moment. Exceptionnellement, hein? Oui. Très bien. Ok. Là, vous êtes toujours dans la salle Non, 112? bouge plus d'ici. Non, bouge plus d'ici. D'accord. Il faut que j'appelle par rapport à l'intervention. D'accord, très bien.
Il n'y a pas de souci. Le prix, c'est bon là, tu peux couper s'il te plaît. Ouais.